Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Domgaré Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal. Yoren Club confirmé Nako, Sayemane sera de retour face à Norwich demain samedi 17h30. GMT, au-dessus de Sayemane, c'est de marquer des buts parce que Jimmy Vardy actuellement meilleur buteur de la Premier League avec 17 réalisations, Aguero deuxième 16 réalisations, Rashford 14, Salah 14, Aubameyang 14, Danny Ings Southampton 14, Tammy Abraham 13, Harry Kane 11, Sayemane 11, Sterling 11. Donc Calvert-Lewin, Pukki, Jimenez, tous ces joueurs-là ont 11 buts. Donc Sayemane est à 6 buts de Jimmy Vardy. Donc Sayemane peut bel et bien donc, se relancer dans la course pour le titre de meilleur buteur Golden Boot de la Prime League. Parce que l'année dernière, il a gagné Onoko. Cette année, il a gagné. Et ça passe par marquer des buts, surtout face à Norwich. Donc, je match face à Norwich, séance de rattrapage. Séance de rattrapage pour Sayemane. Parce que Sayemane doit refaire son retard d'abord sur Mohamed Salah, qui est un concurrent direct pour le ballon d'or africain, mais surtout sur Jimmy Vardy actuellement, avec 6 buts de plus que Sayemane. Donc, demain, ça sera le but de Sadio Mané, marquer beaucoup de buts et faire son retard. Donc, séance de rattrapage pour Sadio Mané qui a raté 3 matchs face à Wolverhampton. Il n'a pas terminé la rencontre face à West Ham, match en retard, et face à Southampton. Donc, Sadio Mané devra marquer des points. Il devra marquer des points, double pour refaire son retard sur Jimmy Vardy. Parce que cette saison, il va falloir dor, donc, gagner encore le titre de meilleur buteur de la Prime League, c'est bien possible. Avec Sadio Mané, impossible is nothing. Rien n'est impossible. Donc demain, on va retrouver notre Sadio Mané en Prime League. Ñaata bit ngeen gis Sadio Mané mom la wara duggal face à Norwich. May xaar ses réponses en commentaire. Sadio Mané, meilleur buteur.